Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur F1 Direct TV. Vous êtes en compagnie d'Alexandre Sterlet, c'est-à-dire moi-même. Mathieu Gervais de F1Direct.com. Et TV, Salut. automatiquement. Donc, on tourne cette petite émission qui sera diffusée sur YouTube et Dailymotion, nos chaînes, Rédaction Sportive sur YouTube et F1 Direct sur Dailymotion. Et c'est la diffusion de. Du freestyle motocross d'Augien. De Gien, voilà, qui s'est déroulé aujourd'hui, donc ce samedi 2 juillet. Organisé par le Moto Club de Gien. D'ailleurs, vous avez la petite description en haut à droite, en haut à gauche de la vidéo. J'arrive plus, en gauche ou à droite, décidément. Et sans plus attendre, on va lancer la diffusion immédiatement. Bref, vous allez voir, c'est génial. Et c'est parti. C'est dans un cadre unique, avec le pont et le château de Gien, que des pros du guidon ont mis des étoiles dans les yeux pour les spectateurs venus en masse pour un show incroyable offert ce samedi 2 juillet par le Moto Club de Gien sur la plage du Berry. Dans la ville de Gien. À l'affiche, des grands noms, quatre grands pilotes professionnels, Dace Suzuki, Jérémy Rouanet, Pete Pila, Taka Higashino. Donc nous avions quatre pilotes professionnels, des vrais showman, hein. Incroyable. Devant une foule tout attentionnée, bien que le spectacle était gratuit, ce qui est assez rare pour le préciser, des spectacles de cette qualité gratuite, c'est rare. Je pense que ça a été disponible grâce et possible, disponible et possible, grâce aux nombreux sponsors, ce qui montre l'importance de l'événement d'un point de vue local et qui a marché fort. Pourtant, il y avait un match de foot au même moment, mine de rien. Il y avait un match de foot de l'Euro et il y avait beaucoup de monde et tout le monde était à fond dedans. Et il y avait des gens de tout âge, des jeunes et des moins jeunes. Ouais, de tout âge, oui. De tout âge. Et c'était vraiment sympa. Alors, là, les pilotes se préparent, ça part, ça va faire des sauts à la chaîne. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est leur réactivité entre chaque saut. Ils font un saut, il y en a un autre qui a aussi sec derrière, et ainsi de suite. Et c'est parti pour 10 minutes de show non-stop, 10 à 15 minutes suivant quand est-ce que vous regardiez ce que vous considérez comme du show. Il y a eu d'autres événements, hein. Si je reprends le programme, on va vous le décrire, on a le temps, hein, de toute façon. Ça avait commencé avec un village d'exposants toute la journée, avec buvette et restauration sur place. Hein, donc, pour l'an prochain, vous le saurez, puisque ça a été annoncé. Il y aura un événement l'an prochain, et si le Moto Club de Gien nous y autorise, nous allons couvrir l'événement de nouveau, avec des moyens un peu plus conséquents, et d'autres options d'un point de vue vue, vision et qualité d'image, surtout. Je crois qu'on va. Et voilà, parce que c'est vrai qu'on les a pris de court. Au dernier moment, 3 jours avant, on leur a dit on vient, on filme. Donc on n'a pas été très sympa, mais eux par contre ont été vraiment pour nous laisser l'autorisation de le faire. Donc à 11h30, il y a eu des dédicaces de pilotes. À partir de 14h, des animations sportives, notamment du twirling bâton et plein d'autres sports. À 18h, 21h30 et 22h30, il y a eu du Urban Trial Show. Donc ça doit être du show trial de moto. Des dédicaces de nouveau à 18h30 qui avaient lieu. 19h, test et marque des pilotes. En même temps, quand on voit ce qu'ils font actuellement, il valait mieux prendre des marques. 21h, 22h, 23h, le show freestyle, donc un des shows, donc nous c'était 22h. Suivi tout juste après, mais en fin de compte c'était un peu plus tard que prévu. 23h30, feu d'artifice. Et le set électro qui est actuellement en cours, puisqu'on l'a entendu là, le temps qu'on transfère les vidéos, le montage show. Sorti de prendre l'air un peu parce que c'est du travail quand même, ce petit reportage qu'on voyait en fond qui est pourtant très court et tourné avec le peu de moyens que nous avions. Ce qu'on peut dire sur l'instant T. Est-ce que tu étais surpris toi de l'enchaînement au niveau des pilotes? C'est clairement des pilotes, hein, c'est le terme. Entre les sauts, on les voyait y passer. Très surpris parce que. Oui, c'est beaucoup d'entraînement, c'est des professionnels, donc c'est leur métier, je pense, et je leur souhaite, parce que vivre de sa passion, il n'y a rien de mieux. Il y a un bon métier à risque aussi, quoi, je pense. Ouais. Là, oui, je pense qu'ils méritent largement leur salaire. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la qualité des animations autour de ce show. C'est-à-dire qu'on avait donc des pilotes qui faisaient des sauts, et vous pouvez le voir, on avait. Que je m'appelle les pop-pongers, qui mettaient aussi l'ambiance et un speaker.
de fou. Il était à fond. Ah ouais. Il était à fond dans le truc. Ah ouais, non, c'était incroyable. Hein. À fond dedans, il mettait l'animation, tout. C'était génial, c'était parfait. Ouais, non, franchement, il n'y avait pas de temps mort, même entre les animations, parce qu'on a attendu le début de la suivante, avant de partir. On voulait quand même en profiter aussi un peu pour nous, même si on en a profité en tournant, c'est sûr. Sans matériel, là aussi, c'était vraiment bien, bien orchestré. Et pourtant, c'est que la deuxième édition. Et il y en aura une troisième. Ouais. Bon, on voit quand même la qualité des infrastructures, on sait que ça représente du travail aussi bien pour les organisateurs que les associations et je suppose aussi toutes les instances qui ont pu aider à organiser. On peut voir les plâtrés de sponsors, c'est ce qui m'a marqué le plus aussi. Il est dommage par contre d'avoir deux petits bandeaux juste devant notre position parce que ça coupe un peu l'image. Peut-être à revoir. Mais vraiment, on est vraiment dans une ambiance comme on retrouve à la télé, comme j'ai vu par exemple sur, je crois, Motors TV par exemple. C'est cette ambiance-là, et c'est reproduit à une échelle locale de Gien, qui est pourtant une toute petite commune. Là où c'est quand même le plus énorme, c'est le cadre, je m'en répète. C'est l'Atlas, en bord de Loire, sur du sable, le pont, le château. Parce que Gien est très, très connu pour son château et son cinéma aussi. Oui, qui est assez touristique. Vraiment, ouais, c'est juste... Et vous voyez le monde que vous avez devant, bah dites-vous qu'il y en a autant derrière. C'est ça qui est... Et quand on arrivait, il y avait encore plus de monde qui arrivait que de gens qui partaient. Donc ça a dû être vraiment, vraiment, vraiment blindé sur la fin. Un feu d'artifice qu'on a vu aussi qui était génial. Beau petit feu. Il ne manque que ça. Est-ce que ça va toujours? Ouais, très beau feu. Hein. Ouais, non, c'était vraiment sympa. Du début à la fin, bon, on n'a pas pu tout voir parce qu'on avait aussi d'autres obligations. Ça enchaîne les sons. Allez, les filles, on y va. Allez, on bouge, on bouge, on triche. Vous nous excuserez, c'est pour la qualité de l'image, mais on avait un contraste entre la lumière du jour, la lumière artificielle. Plus le passage devant les spots, qui fait qu'on avait, comme on n'a pas encore un matériel ultra développé, la qualité de l'image n'arrive pas à être encore parfaite. Et ça, une chose est sûre, c'est que ça va être amélioré par la suite. Oui, bah oui, déjà pour l'année prochaine. Oui. S'ils veulent bien. On leur lance un appel d'ailleurs au passage dans la vidéo. On leur lance un appel, hein. S'ils veulent bien, on est ok pour couvrir encore une fois l'événement en vidéo. Ça enchaîne, ça continue. La qualité des sons, voilà. C'est. Ouais, les mecs ils sont en l'air, ils font des trucs. Moi je lâche les mains sur mon vélo, j'ai peur de tomber déjà. Donc. Non, c'est la même chose. Bon, moi ça me rassure, je suis pas tout seul. Mais ouais, non, là. Il y a vraiment du level, on peut le dire. Et ce soir il est parmi nous. Très très beau spectacle. Ouais. Puis je crois que c'est les échos qu'on a eu aussi. C'est pas je crois, c'est les échos. Les gens étaient vraiment hyper hyper satisfaits, hyper contents, hyper heureux. Il n'y a pas de déçus. J'ai pas entendu. Ouais, c'était moins bien que l'an dernier. Plutôt c'était même mieux que l'an dernier encore. Ce qui est rare parce que souvent les gens ont tendance à se dire oui mais c'était mieux l'an dernier. Puis c'est mieux que c'était nouveau. Ils ont plus en tête quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas l'habitude. Et en fait non. Il n'y a pas eu d'écho négatif, c'est vraiment ça. Là on voit hein, les reflets de lumière, comment ça perturbe la caméra d'ailleurs. Alors... Et à la fin ils vont sauter tous les quatre en même temps. Je gâche un peu le suspense, c'est honteux. Honteux. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est sur une excuse? Parce que Dakar, ouais, il y a des exclusivités mondiales. Mais pour qu'ils puissent les sortir, il n'y en a pas le public soit là. Alors est-ce que vous êtes là? Et oui, et oui, et oui, oui. Ah ça c'est incroyable aussi. Très magnifique. Je savais plus où donner, donner la caméra. Ça sera peut-être le troisième passage avec Dakar. Et on voit bien l'animation qu'il y avait au centre. D'accord.
centre placé. On était quand même vraiment bien placé. Il n'y a pas à dire. Remercier au motoclub de Gien et à son président qui s'est occupé de nous. Je crois qu'il repart une deuxième fois. Allez, c'est parti pour un autre petit chouchou. Et il repart une deuxième fois et là c'est la fin de la démonstration. Et c'était de plus en plus nuit, vous regardez le début de la vidéo et la fin, on est vraiment sur deux choses magnifiques. En termes de luminosité, c'était nuit tombante, crépuscule, un peu comme les Grands Prix de Formule 1 à Abu Dhabi, Bahreïn, et sans perturber les pilotes en fait. C'est ça qui est. Là ils repassent, mais je crois que c'était fini. Je crois que les gars ils étaient repassés un coup. Ah ils y retournaient un coup, je sais plus. À force je sais plus. On savait plus vous donner la tête tellement que ça allait de partout. Ouais non là c'est la fin, ça y est. Ça sombrit, c'est la fin, c'est le montage qui est prévu comme ça. On voit les gens applaudir. Ah non, ils étaient tous à fond. Ah ouais, ils étaient tous à fond. C'était impressionnant. Donc j'ai remonté le volume pour la fin de la vidéo. Parce qu'on a nos réactions maintenant. Vue du château, avec en arrière-plan la zone éclairée, c'était le show. La scène que vous venez de voir. Voilà, j'en étais au freestyle de Gien. Super spectacle. Ça a permis aux habitants de Gien et des alentours de faire un. Voir un beau spectacle. Puis merci à l'organisation du motocross de Gien. Donc nous avons assisté à ce show freestyle donc, qui était composé d'une équipe de professionnels, 4 grands pilotes, qui ont offert aux spectateurs présents un spectacle hors norme, de qualité, d'exception, sans erreur. C'était vraiment impressionnant, une bonne animation, très très bien. Ça donne envie d'y retourner et on y sera pour couvrir la prochaine édition l'an prochain. Nos plus grands remerciements à Monsieur Broual, président du motoclub de Gien, qui nous a permis d'obtenir les accès nécessaires afin de réaliser ce reportage pour vous. Merci et à très bientôt sur F1 Direct TV. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'était incroyable. Et l'an prochain, on y sera, quoi qu'il arrive en spectateur, et au mieux, on y retourne avec notre matériel. Donc de nouveau un grand merci au Motoclub. Les prochains événements chez F1 Direct TV. Ce sera les 24 heures de spa. Ah oui, mais avant il y a autre chose. Ah oui, il y a autre chose. Il y a le salon de l'automobile et on est accrédité presse, ce qui est encore une bonne nouvelle. 2012, 2014 et désormais 2016 au salon de l'automobile à Paris, le mondial. Et le soir même, 2 jours avant l'ouverture, on va vous diffuser des extraits vidéo à l'intérieur des marques les plus prestigieuses. Ferrari, Porsche, McLaren. Bah, on va aller chez tout le monde, on va aller aussi chez des constructeurs un peu moins prestigieux, Peugeot, Renault, on va aller voir Mercedes, Volkswagen, des nouveautés, bref, du contenu multimédia encore une fois. Et après, les 24 heures de spa de 2 chevaux cup. 2 chevaux cup, alors c'est des 2 chevaux, 2 carrosseries uniquement, tout le reste est modifié, plus de 220 km/h, des vraies machines à laver de ce qui paraît quand on est à l'intérieur, c'est ce qui nous a été dit. Mais quelque chose. La team Trapanel. La team Trapanel qui nous invite. Qui est l'écurie du Génois. Et qui est liée à l'écurie du Génois. De toute façon, on est F1 Direct TV à Gien. On a couvert un événement à Gien et on essaye de promouvoir ce qu'il y a de local. Voilà, les sportifs qui est plus ou moins proche de notre domaine quand même dans l'événementiel. Et donc, ça, c'est le week-end du 14 au 16 octobre, si je dis pas de bêtises. Je n'ai plus la date exacte en tête. Mais on y sera et on va mettre encore plus de moyens. Ce sera aussi un très beau spectacle. Ouais, là oui, ça va être un peu plus un domaine qu'on connaît, on est plus dans l'automobile, mais par contre le show freestyle, on va se renseigner, on va se regarder et pour l'an prochain, on va vous faire quelque chose aux petits oignons. Sur ce, Mathieu, bonne soirée. Merci à toi. De rien. Merci à vous tous, merci au Motoclub, merci au Motoclub et à son président. Oui, et à son président, ouais. Et surtout on se retrouve très vite sur F1 Direct TV pour l'émission F1, comme vous retrouvez après tous les lundis d'après Grand Prix, du gaming et des reportages. Et je crois qu'on a fait le tour. Bonne soirée, à très vite. Au revoir.